Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler du résultat des paris. On s'est très bien mis, on va parler random avec le mise à jour de la taverne. On va voir si c'est vraiment si au hasard que ça et si Lilith n'essaye pas de nous mettre une petite carotte au passage. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple et si vous voulez les paris mis à jour à la dernière minute, même le samedi juste avant le reset, c'est sur le Discord que ça se passe dans la section dédiée à la Ligue Osiris et vous retrouverez bien évidemment toutes les autres infos. Les amis, donc petit format spécial comme vous l'avez remarqué hein, pour cette vidéo. Je suis en vacances, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord. Eh bien oui, et j'ai quelques soucis avec mon PC, donc je record avec l'iPad. Qui dit record iPad dit retour de l'overlay. J'espère que ce sera que pour quelques jours, le temps de résoudre ce petit problème. Les amis, je vous le disais donc, on va parler des résultats de la Ligue et j'espère que vous avez suivi les pronostics de vendredi de la semaine dernière, puisque si c'est le cas, vous êtes normalement au maximum, on est plutôt frais grâce aux L qui ont battu les 99 BH, un petit 2800 si vous avez investi plus, c'est encore mieux. Et regardez, si on fait le calcul de tout, on a à peu près misé autour des 1200, on est à 4171, on a fait un petit bonus hein, de 3000, on est plutôt très bien. Et regardez, si on va sur le classement et qu'on regarde celui de mon royaume, les 4 premiers comptes sont les 4 miens sur mes 3 rerolls. J'ai mis 100% de mes Auric sur les L et ce petit retour sur investissement, il fait plaisir. D'ailleurs, certains d'entre vous me demandaient déjà qu'est-ce qu'on fait de ces Auric, est-ce qu'on commence à vider le store? Non, on garde tout précieusement, on va réinvestir l'intégralité à ce stade. On a fait un très bon premier tour. Rappelez-vous, on va perdre par moment, on va gagner par d'autres, mais on se refait toujours quoi qu'il arrive et à la fin, sur les 6 premières saisons, le store était toujours vidé, donc ne vous inquiétez pas, il y aura des bas, il y aura des hauts, mais on sera toujours au max avec un store vide. Du moins pour le moment, ça a marché sur toutes les saisons et sur tous les paris de la Ligue. Les amis, donc en parlant de reroll, vous le voyez, hein, ils sont très bien en auric, ils sont frais, on va aller tout de suite dessus pour justement faire l'ouverture de clés de coffre de la taverne, puisque ne le faire que sur un compte ne serait pas tellement spécifique et serait pas tellement parlant. C'est pour ça qu'on va le faire sur mes 3 comptes reroll sur lesquels j'ai gardé un petit stock justement pour l'occasion. Regardez sur le premier, 412 clés en or, 276 clés de cristal et plus de 1500 en argent. Les argents, on s'en moque on peut dire, mais non parce qu'il y a 2 commandants qui sont sortis, qui sont à présent dans la taverne. On a donc Pyrrhus qui est le 13e commandant légendaire de la taverne. Je vous le rappelle, un petit tips, on n'utilise jamais de sculpture générique sur des commandants qui sont à la taverne, puisqu'avec le temps, on va les upgrader, il faut juste être patient, sauf si vous en voulez absolument un. Mais c'est quand même une petite erreur de le faire, autant claquer les clés. Et puis, donc, il n'y a pas que Pyrrhus, hein, puisque vous le savez, on a aussi l'arrivée de Périclès. Et Périclès, on va pouvoir l'avoir sur les clés en argent, regardez, on ne l'aura pas totalement, mais on aura au moins des sculptures. Donc c'est l'occasion d'ouvrir ces 1564 clés en argent et on va voir ce que ça donne déjà sur ce premier tirage. On va faire ça sur mes 3 comptes reroll. Je garde encore tout sur mon compte principal et ça va nous donner une petite stat. Alors il y en a certains qui disent moi-même, hein, je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé, ouvrir un par un les clés hein, serait plus bénéfique que faire tous les tirages. Alors on va faire des ouvertures une par une pour voir. J'en ai 1500, hein, donc on peut aller vite et regarder. Regardez, pour le moment, je fais les ouvertures et pas de Périclès. J'en ai déjà ouvert 7, 0 sculpture hein, de Périclès quand même. Hein, c'est assez étonnant. On pourrait se dire, certains ont commencé à le dire si vous suivez les différents Discord ou le Facebook, que Lilith aurait augmenté le taux de drop hein, suite à l'arrivée de ses commandants dans la taverne. Eh bien, on voit que c'est pas du tout le cas. Puisque pour le moment, malgré toutes les ouvertures que je fais, là j'en ai déjà claqué 16, si je dis pas de bêtises et que je compte bien 17, vous le voyez, 0 sculpture de Périclès. Alors les ouvertures une par une, moi je suis pas un grand fan, à vrai dire, si on pouvait tester, je préférerais les ouvertures
10 par 10 ou 30 par 30 ou 50 par 50 plutôt qu'à l'unité, vous le voyez. Hein. C'est vraiment un tirage éclaté. Donc, je vais faire l'ouverture globale et on va voir ce que ça donne. Tout ouvrir, est-ce que vous voulez bien ouvrir? C'est 1537 clés en argent. Oui, évidemment. Et regardons ce que ça donne. Alors, j'ai de tout et j'ai eu de Périclès. Et regardez, hop, on remonte au niveau de Périclès. J'en ai eu que 8. C'est le deuxième plus gros score derrière les sculptures de Kusunoki. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais sur... Et non, c'est le troisième plus gros tirage parce qu'Imhotep, il y en a eu plus. Je trouve que ça reste faible vu le nombre de clés que je viens de lâcher. 1500, plus de 1500 clés. 8 sculptures de Périclès. C'est tout de même très très faible, mais c'est pareil que pour le reste. Ça aurait pu être comme pour Mathilde de Flandre où j'en ai eu que 2. C'est très peu. Lilith ont l'air vraiment d'être des gros gros rats sur ce tirage. Ça sent un peu la carotte. Hein. On va passer aux sculptures légendaires, aux sculptures au coffre dans Nord plutôt avec les sculptures légendaires. Et on va voir si c'est la même donne. Alors pareil, on en a 12. Je vais faire 12 petites ouvertures. Enfin 412. Je vais faire 12 petites ouvertures en ouvrant une par une. On va voir si ça change quelque chose. J'ai du Céon Déoc, évidemment, on le sait, le tirage. On a déjà fait des stats pour ceux qui ont raté cette vidéo. On constate qu'en ouverture de clé, on a 3 fois plus de chances d'avoir un commandant de farm légendaire. Pourtant, c'est censé être la même probabilité hein, qu'un autre commandant. On continue d'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Franchement, là, pour le moment, ce que j'ouvre, le tirage, il est complètement nul. J'espère que sur les 400... j'aurai un bon tirage. Je vous rappelle les stats également sur 400 clés en or. C'est assez simple. Soit vous avez plus de ou moins 200 sculptures en or sur 400 clés, 200 sculptures légendaires. Et là, c'est un bon tirage. Soit, là j'ai un bon tirage, regardez, 10 d'un coup de Ragnar. Soit vous en avez moins de 200 et c'est un tirage plutôt moisi. Ça va dépendre du nombre de commandants de farm légendaires que vous allez avoir malheureusement. Soit vous en avez plus de 200 avec peu de commandants de farm. Et là, c'est un tirage de dingue. Alors là, je vais faire tout ouvrir. Certains disent même que quand on fait tout ouvrir, après avoir eu une ouverture, on en a eu 10 d'un coup, comme c'est le cas avec Ragnar, eh bien, c'est là que j'ai le plus de chances d'avoir le meilleur tirage possible. On va voir ça tout de suite. Je fais tout ouvrir, 400 clés. Ça va vite être plié. Regardons ce tirage. Alors, il n'a pas l'air d'être ouf. Déjà, je le vois à ce qui est passé en haut. On va remonter au niveau de Périclès. Donc, sur 400 clés au niveau de Périclès, déjà, j'en ai 24. Là, on voit quand même la grosse différence entre les coffres en or et les coffres en argent. 24, c'est pas ouf du tout. Hein. Il y en a plein où j'en ai plus. Hein. J'en ai plus. J'en ai autant sur Herman, j'en ai plus sur Kusunoki, j'en ai plus sur Scipion. Et est-ce que c'est une coïncidence ou pas? On en a pas mal sur Bjorn et sur Kusunoki. Encore une fois, Kusunoki, encore une fois. C'est pas un tirage de dingue. Au niveau des commandants entiers, regardez, j'en ai eu 30 là de Périclès. Mais encore une fois, j'en ai plus de tous les autres. Donc, Lilith n'a pas l'air d'avoir forcé sur ce premier compte, hein, les tirages pour le nouveau commandant. Si on regarde là au niveau du légendaire, c'est assez dingue. Je n'ai aucune sculpture unitaire du nouveau commandant Pyros, notre ami. Et regardez, je ne l'ai même pas. Je viens d'ouvrir 400 clés et j'ai 0 Pyrus. Il ne m'en donne même pas une seule sculpture. À croire qu'il n'a pas été rajouté réellement à la taverne malgré le fait qu'il apparaisse. C'est quand même super chelou. Alors vous allez me dire, ben Mulan par exemple, ben, si Mulan j'en ai là. Il y a 12 commandants différents, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très simple, je les ai tous sauf Pyrus. Donc là... ça sent un petit peu la carotte hein, de tous les avoirs sauf Pyrus. C'est clairement pas normal. On va changer de compte et on va voir si effectivement ça le fait sur tous les comptes. Ce qui voudrait dire que Pyrus... oui, j'ai un nouveau commandant légendaire. C'est super, c'est Périclès. Ce qui veut dire que Pyrus ne serait pas réellement ajouté ou du moins que le taux de drop serait beaucoup plus faible. Car je ne crois pas au hasard, surtout de la part de Lilith. Donc on passe sur mon deuxième compte hein, et on va aller voir tout de suite les coffres. On fait l'ouverture de ce premier coffre. Tac, on passe au suivant, on sort de là et voilà. On a tous les coffres gratuits, 102 clés en or, évidemment c'est beaucoup moins, et 126 clés en argent. Alors on va ouvrir
les clés en argent, on fait pas de tirage un par un, on fait tout ouvrir les 126. Est-ce que on tombe? Non, vous voyez déjà sur si peu de clés, on n'a même pas de Périclès. Mais là, on peut se dire, oui, mais tu n'as pas de tous les commandants. Certes, donc on est OK. C'est normal, ça peut être aléatoire. On va passer aux 102 clés et on va voir le montant de sculpture que j'ai. Regardez, tout ouvrir. Est-ce qu'il y a du Pyrrhus? Il y a un Pyrrhus, on en a vu un seul. Donc sur 402 clés, j'en prends 0. Sur 100 clés, j'en prends 6. J'ai quand même tendance à croire que là, Lilith met quand même une carotte selon le type du compte. On va aller sur le dernier de mes comptes et on va être fixé. Hein. J'ai un petit stock qui devrait être équivalent à peu près, je pense, en clé en or et en clé en argent. Tac, on se connecte dessus et on va tout de suite dans la taverne. On ouvre le coffre, le premier coffre, hop là, et on passe tout de suite aux autres. Hein. 97 clés en or, 130 clés en argent. On va vite être fixé. S'ils sont le même tirage, j'ai encore du Pyrrhus, c'est que là, il y a une petite carotte. On ouvre les 130 clés en argent. Est-ce qu'il y a du Périclès? Non, pas de Périclès. Périclès a l'air d'être beaucoup plus difficile à obtenir tout de même que Pyrrhus. On ouvre le coffre, le standard maintenant, le coffre gratuit. Et on fait l'ouverture de tout ouvrir. Est-ce qu'on va avoir du Pyrrhus? Et on n'a pas de Pyrrhus. Vous vous rendez compte, j'ai fait au total environ 600 clés en or, j'ai un Périclès, hein, et j'ai eu que 6 sculptures de Pyrrhus sur 3 comptes différents. Il y a quand même de la carotte, à mon avis, dans l'air, il me propose toujours ce bundle. Est-ce que ce bundle est intéressant? Bon, franchement, il y a beaucoup mieux de mon point de vue, donc ne claquez pas d'argent dans ce bundle qui correspond à l'arrivée d'un nouveau commandant légendaire épique. On retourne sur mon compte principal et je vais faire quelques ouvertures hein, sur ce compte. J'ai 614 clés, je vais faire une ouverture de 14 pour rester à 600. On va voir si en 14 il me donne Pyrrhus sur le plus gros de mes comptes. Hein. Sachant que là, encore une fois, hein, sur 600 clés, je me suis bien fait carotte. Donc on est à 3, j'ai rien. 4, j'ai 3 sculptures, donc là c'est un bon tirage, même si c'est KO. 4, j'ai 8 sculptures, donc là la règle de les ouvrir à l'unité hein, est plutôt en ma faveur. On va voir, mais je pense que sur le reste, hein, il va rien me donner. La reine Tamar de Géorgie, elle est éclatée. On continue, il me reste 5 clés. 4, 3, 2 et 1. Et non, c'est Sarkia qui me donne, et rien. Et on finit. 0, je n'ai pas eu de Pyrrhus sur ces 14 ouvertures. Franchement, je pense que le taux de drop, est-ce qu'il nous le donne, le taux de drop, le commandant légendaire, c'est censé être le même pour tous, hein, regardez. Hein. Ce commandant légendaire, 0,80%, 0,80%, 566%. Sur le nombre qu'on a ouvert, ça me paraît très peu probable qu'on ait si peu de sculptures de Pyrrhus. Donc je pense que pour le moment, le tirage est nerfé. Et les amis, je vous invite clairement à ne pas faire vos ouvertures de clés en or, d'attendre quelques jours, quelques semaines, que ça soit stabilisé et qu'on ait plus de recul. Je vous dirai hein, si j'ai d'autres statistiques là-dessus. Je vous ai dit les amis, on allait parler KVK également, de deux KVK. Un que vous connaissez et un que vous ne connaissez probablement pas encore. Regardons la liste des royaumes perdus dans les guerriers libres. Alors, il y a les tempêtes de stratagèmes qui n'ont pas encore commencé. Ce nouveau KVK, évidemment, on va le suivre. On va s'intéresser aux guerriers libres. Comme vous le savez, il y a plusieurs KVK intéressants en guerriers libres qui vont arriver. On a déjà, alors je vais le retrouver, hein, c'est pas le 1898. C'est le, hop là, on va y être, le 1882 avec le 2755 qui est le seul royaume Imperium et qui est, regardez, le seul royaume à être tout seul face à des royaumes cumulés. Ils sont deux royaumes, trois royaumes même pour le 2018, le 2080 et le 2186. Du lourd, 12 jours, 9 heures, 27 minutes et 14 secondes. On va avoir du gros combat sur ce KVK, sachant qu'il n'y a qu'un seul Imperium et qu'il se retrouve seul pour le moment sur sa zone. Si on va regarder les coalitions, vous allez le voir forcément, l'Imperium ne sera pas le plus élevé hein, pour le moment. Tac, si on va voir la forteresse,
n'y a même pas de... Il est tout seul là pour le moment. C'est assez étonnant. Tac, sur celui-là, si on regarde les propriétaires, ils ont bien une coalition. 13 milliards 2, 13 milliards 4 et c'est tout. Hein. On est typiquement dans le genre de royaume que Lilith met en avant avec une ou deux grosses alliances face à tout le reste, à des très gros royaumes qui peuvent avoir plus de grosses alliances. Hein. Les modes là sur la coalition, 10 milliards, 11 milliards, 4 milliards, ça reste pas une dinguerie, hein. Ça reste pas oufissime, mais on est sur des A et non pas des royaumes A et S, pardon, et non pas des S+. Encore une fois, vous l'avez vu sur ma vidéo de puissance, la puissance des royaumes diminue. 11 milliards, 10 milliards, on a pareil, hein, tout au nord. Donc ils doivent tous être équivalents au niveau de la sortie de zone. Vous le voyez, hein, les bleus ont pris tout Lucerne, ils sont bien descendus, ils ont enfermé leur adversaire. De l'autre côté, ils sont sortis également et ils ont également bloqué les adversaires des deux côtés. Ils ont deux zones pour eux. Ça peut sembler le bon plan, mais en Foxton, hein, ils vont se retrouver tout seuls, pareil sur leurs deux zones. De l'autre côté, hein, en Orisford. Ça va pas forcément être aussi simple que ça pour eux. Évidemment, ça devrait ouvrir d'ici 6 jours ou 7 jours les portes de niveau 5. Si je dis pas de bêtises, 7 jours normalement, une semaine précisément. Je vous tiendrai informé parce qu'on devrait avoir du gros fight. Et dans l'autre très gros KVK du moment, vous le savez, c'est le drama en cours avec le KVK du 18... C'est pas 1875, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est le KVK du 1846 avec le 1175, hein, qui nous a fait son petit drama en disant qu'il ne voulait pas se battre à ce KVK qui était unfair, qui n'était pas respectueux et fair play en termes d'équipe. Pareil, le 13-02 hein, a dit de même, c'est étonnant, des docks, une très grosse alliance, les docks de Coréens d'ailleurs pour certains. Et franchement, les voir refuser de se battre face au 18-46 et au 12-54, c'est très étonnant. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, certains semblent dire que face à ce nouveau KVK avec le 18-46 qui est là et surtout le 2605 DSW, il pourrait y avoir le retour de Bunny exceptionnellement. C'est la rumeur qui court en tout cas sur Facebook pour ce KVK, si évidemment Bunny revenait. Je vous le dirai les amis et de toute façon on va suivre ce KVK. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, vendredi sans faute, les prochains pronostics pour plier le store et ce blindax d'Aurique. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.